La chanson Yeyoyo de Pasteur Moïse Mbi est la réserve de l'Éternel. Donc nous sommes bénis ce dimanche 21 avril 2019. Namokola Pacto Fongoli en Jeuna Culture à Mokwanalelo Nkolo. Donc pour vous rappeler, mesdames et messieurs, donc Yoyo Casserole Azan a déplacement, Yangoana, équipe Mumbaya en Jeuna Culture à PA Saint-BDJ Télévision. Donc bah décidé, Mokwanalelo n'a présenté en Jeuna Culture à y a dimanche y a les. Comme je vous ai annoncé, mesdames et messieurs, que Torozalana Anita Mwarabu, donc Aza déjà, Nakatia Plateau Nabiso, que je dis bonjour et bon dimanche, Anita Mwarabu. Bonjour et bon dimanche à toi. Santé. Calme. Bonne fête de Pâques. Hein? Ah oui, merci. À toi aussi d'ailleurs. Bonne fête voilà, de Pâques. Merci. Anita Mwarabu, Bandeko, Bayebagike Torozalana, yo, ba question Yakimo Ebele. Mais avant tout, quand on a détail à Makamsous, Anita Mwarabu, au Mekanon. Anita Mwarabu abîmé la wapi parce que tu es bi bamsu babandaka baneko yemba na douche zo yemba et msu sa kotipe na orchestre mo ya quartier na église ko tondo ba Anita Mwarabu abîmé la wapi ngana yemba fort na ba douche na yemba fort na ba douche na ba douche j'ai chanté aussi à l'église. Mais ça c'était quand j'étais très petite en Zaki Penza moi à Moukié. Et puis et Salama qui que na voyage qui j'étais partie habiter en Italie. Là-bas j'ai commencé à chanter dans un groupe na koti na moi na groupe nanga tozaki na moi mouvement na biso. Et on a fait des scènes un peu en Europe, moi bah festival et tout ça na groupe moi na groupe wana. Et puis voilà quoi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé de la douche à l'église, de l'église à. J'étais sur une scène, je sais pas moi là, en Italie, et puis après c'est parti. Donc scène où on a des salaires qui bimisayo, nakatia Makambwanzambe, nakatia église, parce que le Makambwanzambe na longwate, pardon. Tout ça la confusion, te balongwa Makambwanzambe te. Mais oui. On va dire que c'est à partir à Bassène, moi, que la banda penza au salango de manière professionnelle. Attends, ceux qui n'aient pas quitté, nakin, tout ça. Mais je faisais déjà ça. Mais c'est comme si musique au bané, au sala, nanding au bando et ban église, yango sali vraiment qui maman mouke. Parce qu'une église, d'accord, il soit zalia ou ameyo. On a moni ozaki mutumoni ko mata trop na banzembo na yo donc obimisaka vraiment donc obimisa elo mo boy et bon na église ba bimisa te et ba église ne zala ba église mi sous benza et bima ka o sentir que benza ki bimi quoi parce que église en peut toi ba église ni ah église ni cité de refuge à l'époque Alors merci beaucoup Anita Mwarabu toni toye ba tant au bandit koyemba nani inspira ki yo est-ce que zalaki na mutu moko boye na famille oyo abane ko sala musique oyo petina ki yo comment on sala musique to ndo bane ko mona na kati église baninga ning bazo yemba mais déjà na kati église tellement na zaki pe mukie on dirait bano il me prenait pas trop au sérieux donc faut toujours faire ses preuves partout où tu vas, forcément faire ses preuves. Et puis j'ai commencé à chanter na ba fête, na nini, ba journée culturelle à l'école. J'étais toujours, je dirigeais toujours les chorales et tout ça. Et j'aimais bien ça. Et je dansais aussi. Je dansais aussi. Na famille na biso, papa nanga yembaka. Il n'a pas fait carrière, mais c'est un bon chanteur. Ba frère nanga pe ba yembaka. Donc on aime tolinga musique mingi na famille na biso, musique na danse. Donc déjà depuis toi ba mikié, nga na sœur, ma grande sœur nanga, maman abiso a tcha biso na ba école à danse, on a fait la danse classique et puis on a fait du hip hop et puis du rec. Bref, on a grandi comme ça. Malgré que Tobano qui est des classes, mais il y avait toujours ce côté artistique, non? Voilà. Ouais, est-ce que Zan Andi Mbomoko ouyé la kawon esprit au bande qui koyim ban époque de l'eau soko vaniam sous la répétition ayo yé la kayo a Andi Mbona bande koyim ban on a mis sur batoune église par exemple? Ça va Andi Mbubilé. T'es ouyé la kayo. Ouyé la kayo ton au van narabo. Ezebele. Voilà, Ezebele. Alors, Anita Mwarabu.
Eloko oye bimisi yo penza batubaye bayo ezanini. Alors, eloko oye bimisanga, je pense, je vais dire, eza jeu concours. Il y a Best of the Best. Mm-hmm. Na 2015, na Salaki saison 2015. Na gagné qui était, hein, j'ai pas gagné, je suis arrivée quatrième. Mais bizarrement, bizarrement, il y a eu une base. Et du coup, à partir de cette base-là, il y a eu Bunda Bunda. C'est ça. Il y a eu Bunda Kaka, donc voilà. Il y a eu Bunda Bunda. Mais tu es pas qu'une F-victime. Tu es pas qu'une F-victime. Voilà. Avant, tu es pas qu'une F-victime. Té biso toti ko yebona est victime parce que toyé ba kiyo na na aventure ban o sala ki meto ti ko yeba yo na est victime donc bato belé bato baba congolais belé ba yo yeba yo na est victime voilà est-ce que elo ni ne sali ke yo za la susuté na est victime est-ce que mambo bala tu za mambo nini to monique na koki na ngai donc je peux déjà aussi na évoluer ngamoko. Ezaki pona évoluer nga moko parce que na moya ki bango baza mingi na ba vision collectif et c'était ezaki penza vision na ngati et puis voilà quoi tozaki na ba vision différente bango balinga iba memilango na ndenge na bango nga pe na ndenge wana na se pa je voulais pas trop adhérer à ça. Donc du coup nzela nanga tomoni pas mal de featuring toko tala kala mingité oyo yembi na mama bila belle. Alors yebisa biso nani akendaki pamuninga, est-ce que mama benga ki mwana Anita vient va travailler ou soit yo potali non na tuta na mama pour mama pa pesanga quelque chose bien sûr nga Naza pe muto ba strategie te. Musique ezaka talenté na kozala moi fashion te. Il faut pe moi stratégie ezala. Ba o ba sala ba komo na moko na kati ya musique baza. Baze belé. Je pense que ezaneti ezandenge na biso hein. Je sais pas si c'est comme ça partout dans le monde. Mais chez nous spécialement, ils ont souvent été parrainés par des plus grands. Par de plus grands. Ouais. Donc voilà quoi. Nga pe na bano luka, na oluka nga na zala zala na ba. Alors c'était comment Ezaki ndeni obenga ki mama, okenda ki na ndaku, okenda ki place à répéter. Ka c'était comment parce que tu es bête boimbela ki docteur Jeff Jadil était don de Dieu que je salue. Suko Ezaki ndeni. Ezaki tokenda ki na studio place ya Zalaki. Place ya Zalaki, oui. C'est par le canal de Willy Kayembe que je salue d'ailleurs. Nde akuta ni singa na maman parce que moi vraiment na yebaki kutu place na okutete. Donc voilà, c'est Willy qui nous a mis en contact. Jour on a tokenda ki na studio na monie to sololi. Et puis elle avait accepté de faire la chanson avec moi, quoi. Voilà. Voilà, nous allons suivre la chanson. C'est Pardonne-moi. Donc, ma toboza qui n'a pas relié, boza qui n'a moutoumour et d'akibino pour bossa l'anzimboana. Bon, tokoma qui en a maman te, maman ayaki akoutibiso, enfin ayaki penza a sali écoute, ayoki nzembo. Et puis à ces pays-là qui n'ont pas travaillé avec une équipe dans le studio. Ok, tout ça, l'inzé mon anga, n'a commis bas texte. Moi, manga la on a dit n'a pas qu'à côté. Donc, il y avait un parolier qui m'a un peu aidé. Moi, j'ai écrit en français et en swahili. Maman aïe, et la rayo qui n'aime pas ces pays-là, n'ango et n'ango à posaki. Est-ce que toko zo estre na on a plateau wa bande ko balanda biso dimanche aller le ba sentir que muto ay magna studio a sa pe capable ko yemba ngo na scène. Bolingo na biso nzade banda bo mwana tulekana ke bonzango kukule mayeso pani baloko takatele teta Libaku ezongi sakate na sima. Parfois nos erreurs nous aident à grandir.
Je sais que j'ai commis l'impardonnable. J'ai dit l'était un aligna caillou et bien gros bien. J'ai fait un choix de minable. Pardonne-moi, moi, limbi sangai. Voilà, ça fait énormément plaisir na bande konyoso oyo balingaka Anita Mwarabu. Alors Anita Mwarabu tomona ki presque 4 mois ozaki na santé ezaki pona nini? Ozaki na télévision, na télévision té tout ça. Tout ça là en route. Tout ça là en route. Est-ce que vous préparez loco to batami pour tout se préparer? Déjà il y avait pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu voyages à qui? Voilà. Des oies qui pissent au bâton et belé. Et puis, tout n'a pas bien besoin de mon amour, les lots, mais tu vas nous préparer en haut depuis. Donc, ce que tu continues à préparation à bas studio et à banini. Et à mon coup. Moi camouflage. Alors, moi concentration. Voilà, moi concentration. Mais style ya musique ozo sala rumba ozo sala. Est-ce qu'ils aka rumba oyo ba mama Mbilia Belle ba sala ka to parce que bis to moni oza moi trop sexy na ba clip na yo na makambu na yo to ebite est-ce que zaka ka style wana ya ba rumba oyo ba mama ba sala? Et je pense pas qu'ils a style langage, je pense pas que je peux définir ça rumba. Mais na mekaka kozwa quand même moi ba rappel ya ba rumba na biso na changuna na banzembo nanga. Après kozala sexy, je pense pas que nazam to ali bosoa banda makamwana ba mama bazana. Tu doba po na yo. Ah, ouais, ba mama te. Et bazana ba banda. Yo cha ba mama ndeni biso to tuna maram na yo. Oh. Mais yo zo tuna nga on dirait nga mutu na inaugurer, na inaugurer. Te mais par rapport ya style na yo, ndi to zo tuna question to yeba. O tuna ape ba collègue nanga ba yaka. Biso tuni na yo. Ah, po bo tuna ape ba collègue nanga po bo bimisanga on dirait nga muna. Te to bimisio te ke yo to bandi on met bina style o yo zo sala. Na ndenge o sala ka ba clip na yo, tout ça. En tout cas, je pense que batu ba sepela nango a. Donc du coup, zo ape ba retombe ba pepe kota. Oui, ba pele pepe kota ka, ouais, bien sûr. Anita Mwarabu, donc je vous rappelle mesdames et messieurs, toza un artiste donc musicienne Anita Mwarabu na plateau na biso. Je pense que Miguel Bilako proposé biso pardonne-moi. Pardonne-moi. Tunaye. Et puis nous allons revenir pour chiter avec Anita Mwarabu.